Il a grandi sur un ring, a remporté de belles victoires. Mohamed Kabbesh est boxeur professionnel. Il évolue au Lille Métropole Boxing Club des Flandres. Ce champion a remporté la médaille d'or aux Jeux de la Francophonie. Il est aussi, par ailleurs, champion d'Afrique. Alors qu'il brillait par son talent, la vie en a décidé autrement. Il y a un an et demi, les médecins lui ont diagnostiqué une tumeur entre les poumons. Une douloureuse épreuve commence alors avec des séances de chimiothérapie. Mohamed Kabbesh met alors tout de côté et se concentre sur sa guérison. Son courage et sa détermination prendront alors le dessus et évinceront la maladie. Quelques mois plus tard, sa passion pour la boxe anglaise était toujours là. Motivé, le Rocky du Nord a remis les gants et est remonté sur le ring. Macha Venessen l'a rencontré pour nous. J'ai oublié la boxe carrément, j'ai oublié tout le monde. Je sentais, en fait, je suis en train de réfléchir à qui me soigner, est-ce que je peux sortir cette maladie ou pas. Dans le coup, j'ai rien pensé, en fait, ni à la boxe, ni à la vie normale. C'est dans ma tête, il faut que je me guérisse. Et après que j'ai discuté avec mon médecin, il m'a dit, bah, normalement, ça n'est pas dangereux, et vous pouvez, en fait, après de soigner, en fait, reprendre la boxe et tout. Et après, dès là, je commence à penser, qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce qui m'attend comme travail. C'était toujours en fait difficile, surtout en fait nouveau physiquement et nouveau mental aussi. Comme en fait j'ai posé beaucoup de questions, est-ce que je peux revenir en fait comme avant, est-ce que je peux pas et en fait j'ai bien discuté avec mon médecin, il m'a dit bah écoute normalement il n'y a pas de problème, vous pouvez reprendre la boxe. J'ai discuté avec mon entraîneur en fait, et on l'a pris tout doucement avec lui, avec mon entraîneur, Judy Salhi. Et bah là en fait on est. Et je me sens super bien, je me sens bien.